Bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Alors, à l'approche des fêtes de Noël, on a eu envie de parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est une période qui soulève pas mal de choses et on peut être soit très enjoué, soit au contraire un petit peu stressé ou angoissé. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qui se joue derrière tout ça. Alors Véronique, déjà, est-ce que tu le ressens, toi, auprès de tes patients? Est-ce que tu as plus de demandes à l'approche des fêtes? C'est quoi les tendances un petit peu? Oui, effectivement. Alors, pas tous. Donc, soit c'est joyeux, c'est des préparatifs à l'aune des retrouvailles en famille, il y a quelque chose de l'ordre d'en faire la fête. Donc, soit c'est ce camp-là, soit il y a un autre camp qui est un camp justement où les liens familiaux évoquent plutôt de la détresse ou des liens toxiques ou souvent des chantages affectifs. Et donc, certaines de mes patients sont mal à l'aise avec ces fêtes-là, ne savent pas comment se positionner en fait, parce qu'ils se retrouvent toujours dans ces liens enchevêtrés où à la fois il y a une envie de faire plaisir à papa-maman, parce que souvent les fêtes de Noël, c'est le moment de l'année où on se retrouve tous. Donc il y a l'envie de répondre à l'injonction familiale qui est réunissons-nous pour faire comme si on était une super famille. Et en même temps, il y a une partie qui résiste. Parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un chantage affectif, en fait. Et j'en ai même, puisque tu parlais de mes patients, il y en a même une ou deux qui sont tombées malades, histoire de, comme elles n'arrivaient pas à régler ce Pouvoir conflit. couper cette période. Entre une partie, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire plaisir, et une, j'ai pas du tout envie, et que j'ose pas me confronter à mes parents pour annoncer vraiment que j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai besoin de me reposer, ou j'ai envie de faire autre chose, tout simplement. Alors, somatiser, c'était une manière de gérer le conflit, quoi. Alors, évidemment, ce n'est pas terrible, mais bon. Voilà. Donc, tu vois, ce n'est pas égal pour tout le monde. D'accord. Mais là, c'est aussi par rapport à des choses qu'on n'aurait pas réglées par rapport à soi aussi et qui ressortent particulièrement, parce que c'est une période particulière aussi. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu notre place d'enfant, quand on se retrouve en famille avec. Donc, ça renvoie à beaucoup de choses. C'est ça, on se retrouve à notre place d'enfant. Donc, il y a là aussi la peur, l'appréhension de retrouver les mêmes schémas et presque l'obligation de se positionner toujours et encore de la même manière. Alors qu'en fait, en tant qu'adulte, on peut mettre les points sur les i, dire oui, merci de t'inquiéter pour moi, mais en fait, non, une fois qu'on est sur place, mais non, je ne cautionne pas la manière dont tu attends que je me comporte. Il y a toujours manière de renégocier, mais si tu veux, quand on est effectivement, comme tu le dis si bien, qu'on se repositionne toujours comme un enfant qu'on était et qu'on ne change pas nos attitudes en mettant nos limites, alors à ce moment-là, c'est forcément déjà désagréable à l'idée d'y aller. Tu vois? Et une fois qu'on est sur place, effectivement, si on ne change pas nos attitudes, oui, il y a toujours quelque chose de l'ordre de se rejoue inévitablement les mêmes jeux qui sont des jeux persécuteurs sur leurs victimes, les mêmes jeux familiaux. Et il y a des personnes qui sont très mal à l'aise avec ça parce qu'elles ont pris de la distance en dehors de ces réunions familiales. Mais quand elles arrivent, elles se retrouvent, comme tu le dis si bien, dans le même état d'esprit et rien n'a changé finalement. Oui. Donc, soit c'est une façon de se protéger finalement, la distance. On a pu être confronté à ce genre de situation. Et quand on est confronté à ce genre de situation, soit on est en capacité de dire, comme tu le mentionnais en exemple, je te remercie de t'inquiéter pour moi, mais en fait, ça va. Mais il faut déjà avoir accompli un certain chemin pour être capable de dire ça, j'imagine. C'est ça, puis voir comment, quand on retrouve la relation parentale, filiale, on oublie de mettre ses limites, quoi. C'est-à-dire, c'est soit on agresse parce qu'on ne sait plus comment se positionner si le parent devient critique ou jugeant ou fait des remarques désobligeantes, donc soit ou attend quelque chose de spécial, soit on ne sait plus comment, il y a de la confusion, donc on revient comme à l'état quand on était petit, agression ou retrait. Soit effectivement, on a déjà fait un travail sur soi et on a vu combien on s'empêche, avec nos parents particulièrement, parce qu'il y a des enjeux, de les confronter ou de se positionner en mode adulte et pas en mode enfant terrorisé ou rebelle, en genre je t'agresse. Une forme de rébellion aussi, c'est de dire, de pas dire j'ai pas envie de venir parce que j'ai envie d'aller m'amuser ou de faire la fête avec des amis, par exemple. Donc de ne pas dire vraiment la vérité. Mais du coup, c'est une manière aussi de continuer ces liens dysfonctionnels quelque part, tu vois, de ne pas oser dire la vérité.
à ses parents et du coup de pas assumer, ce qui crée toujours des espèces de modes de relations un peu bizarres avec ses parents, hein. Je fuis mes parents, j'ose pas leur dire la vérité, j'ai peur de les confronter en tant qu'adulte en fait, pour perdre le lien d'amour. Mais bon, aujourd'hui, la différence entre les enfants quand on est enfant et quand on est grand, c'est que quand on est grand, bon, si on perd la tribu, si on perd sa tribu de famille, qui est soi-disant un symbole de cocon, qui ne l'est pas toujours d'ailleurs, hein. Est-ce que c'est si grave et si important que j'ose contrarier mes parents si, voilà, si ce ne sont pas des parents sécures et des parents très bienveillants? Est-ce que c'est grave de les confronter en tant qu'adultes ou pas? Et ça, c'est une question parce que souvent, on voit avec nos lunettes d'enfant et pas avec nos lunettes d'adultes. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais recommander à toutes ces personnes un petit peu stressées et angoissées pour vivre un peu plus sereinement cette période de Alors ça, Noël? c'est ceux qui ont décidé quand même d'y aller. Hein. Là, on parle de ceux qui vont quand même se réunir en famille, de gérer leurs besoins, en fait, d'être en contact avec leurs besoins et d'être aligné avec ces besoins. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'un temps de retrait, d'un temps de repos et que je n'ai pas besoin d'être toujours dans leur rituel ou leur code, je peux être en contact avec moi. En leur annonçant que de telle heure à telle heure, je ne serai pas disponible, etc. Et qu'il y a des moments où je vais les retrouver. Si tu veux jouer plutôt en mode adulte hein, et être concerné par ses besoins, c'est-à-dire c'est mettre ses limites en fait. Hein. Ça, c'est pour mieux gérer quand tu es dans la famille, si jamais tu décides d'aller au sein de la famille. Là, on parle, c'est d'un cas de figure où ça se passe plutôt pas, où l'appréhension, il y a une appréhension par rapport à des familles où ça se passe plutôt pas très bien. Après, il y a des familles, au contraire, c'est hyper festif, tout va bien, donc là, on n'en parle pas. Et puis après, pour ceux qui décident de ne pas y aller, il y a aussi beaucoup de personnes isolées aux fêtes de Noël et qui n'ont pas vraiment de famille ou leur famille a disparu ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a toujours moyen d'arrêter de se comparer par rapport aux autres hein, qui ont l'air, dans les apparences, de s'amuser en famille, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. C'est comme Ah dans les oui. réseaux sociaux, il y a ce qu'on voit et il y a la réalité, hein. C'est ça. Donc, tout le monde ne s'amuse pas forcément comme on imagine si bien. Voilà, ils vont en famille, tout va bien, dans le meilleur des mondes, pas du tout. Mais plutôt, de nouveau, d'être en contact avec et moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette période? Et plutôt que d'en profiter pour être victime et se dire, je suis seule au monde, tout le monde m'a abandonné, j'ai plus mon conjoint, j'ai perdu ma compagne, j'ai pas mes parents, nanana, personne ne veut de moi. Enfin, bon, bref, genre Galimero se sent rejeté et victime. Il y a aussi toujours moyen, peut-être avec même s'il y a un ami, deux amis qui passent, ou un petit clan amical. De rejoindre un clan ou d'initier une fête. On peut initier un repas, une soirée, si on a envie d'être en lien. Maintenant, il y a des personnes qui se sentent très bien avec le fait de ne pas être en lien, mais chacun voit à sa fenêtre. Et plutôt que de se plaindre, il y a toujours manière de Donc sentir finalement, le... qu'on a envie, ouais, puis de proposer à quelqu'un, de dire, bah, tiens, voilà, j'ai envie de te proposer une petite soirée, est-ce que tu es dispo? Bon, c'est comme si on imagine que les autres s'éclatent et nous pas. C'est comme le réveillon, hein, les autres vont s'éclater et nous, on ne fait pas la fête. Alors, ouais, tout Alors ça, c'est on vraiment de choisit, on l'imaginaire. fait ses choix aussi. Hein? Et on fait ses choix aussi et c'est comme tu le dis si bien, une opportunité de faire autre chose. Qu'on souhaite soi-même une réelle envie et d'initier quelque chose qu'on n'aurait pas forcément fait, mais qui... Voilà. Alors ça peut être une option. Et puis c'est aussi arrêter de se comparer. Ben, ça, c'est vraiment l'origine de la souffrance. Hein. D'imaginer que les autres font des réveillons extraordinaires, nanan, et nous, on ne demande rien. Enfin, tu vois. C'est vraiment comment se rendre malheureux en 10 leçons, tu fais des trucs comme ça, quoi. Parce que même si tu fais pas, s'il n'y a pas de réveillon et s'il n'y a pas un grand machin ou s'il n'y a rien, tu n'es pas obligé de pleurer sur ton sort en trouvant que les autres s'éclatent. Ce n'est même pas forcément vrai. Peut-être que toi, dans ton coin, même tout seul chez toi, tu vois 10 fois plus passer une bonne soirée que dans un. On peut être seul dans la foule, hein. On peut être seul avec des amis, on peut être seul en famille et on peut se sentir seul en couple. On peut dire ça n'a rien à voir. Le sentiment de solitude est partout. Donc, il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est intéressant. Donc là, tu parlais de ceux qui y vont ou qui n'y vont pas. Donc, et pour ceux qui y vont, c'est vraiment focus sur être aligné sur ses besoins, alors. Oui, sur ses envies, sur ses Écoute, besoins, se on met respecter. des limites. D'accord. Se respecter, cadrer aussi, proposer des cadres en disant voilà, là, je serais, là c'est possible, là c'est pas possible, est-ce que c'est OK pour vous? Voilà, comme ça, il y a aussi des informations que je donne qui fait que voilà, vos parents, votre famille, sait que vous n'êtes pas disponible tout le temps et que ceci est normal. C'est OK, ils s'y attendent aussi. Hein. Évite les Et jeux, par hein. rapport à
Ouais, là c'était par rapport aussi à tout le stress lié aux préparatifs, aux obligations, aux cadeaux, à devoir faire plaisir, les craintes de certaines tensions familiales ou comment on peut se libérer un petit peu de ça aussi Ouais, je crois qu'aujourd'hui, il y a des. Non, c'est ce qu'on a décidé de faire ici dans cette famille-là. C'est de. Comme quand ils sont nombreux et qu'il y a des problèmes économiques, c'est-à-dire les gens n'ont pas toujours les moyens d'offrir un cadeau à tout le monde, avec s'il y a plein d'enfants de partout, dans tous les sens. Bon, alors il y a des astuces à trouver, dont celle de. Ça se fait de plus en plus, c'est tu offres un cadeau à une personne, tu es désigné dans un doodle, hein, et qu'il y a une personne qui offre un cadeau à une personne, ce qui évite de faire des tonnes de cadeaux. Je crois qu'il y a des gens qui réfléchissent aussi à. Vu le mouvement de la décroissance, à voir comment on peut à la fois se faire plaisir et faire plaisir aux autres sans se prendre la tête dans les préparatifs pendant des siècles, tu vois, en se ruinant. Ou, voilà. Pareil pour les repas, qui fait quoi? Donc, il y a moyen de demander de l'aide aux petites mains pour se faire aider dans la cuisine ou la logistique. Et puis, il y a moyen, comme dans des doodles, quoi, en fait. Et ça fonctionne assez bien, en fait. Donc, c'est des. En fait, on revient sur les classiques, c'est-à-dire l'entraide, la solidarité, et puis des réflexions un peu, tu vois, pour faire des doodles, qui, quoi, comment, voilà, comme on fait quand on est en équipe, et pour faire tourner les choses de manière efficace, sans qu'il y en a toujours un qui fasse tout et l'autre qui fait rien. Oui, ou que chacun ait une attribution par rapport à ce qui lui C'est fait ça, plaisir de c'est un faire, en cadre. fait. C'est ça. Et de nouveau, on revient sur le cadre. On met un cadre, en fait. On propose un cadre à l'avance. Et puis les choses rentrent dans le cadre, quoi. Et donc quand il y a un cadre, eh ben, ça sécurise, tout le monde sait quel est son rôle, à quel moment. Voilà, c'est clean et tout le monde s'en sort bien, c'est organisé, efficace. Et personne s'en veut, ou personne dit, ah, hein, toi, lui, il ne fait jamais rien, il arrive les bras croisés, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui paye tout, j'ai des mauvais cadeaux, j'ai des moches cadeaux. Enfin, tu vois, tout ça, on évite à ce moment-là. Moi je sais que j'ai fêté Noël une première partie en avance là, la semaine dernière et on est trois filles, en fait on prépare tous les cadeaux ensemble et en fait mon apprentissage c'est qu'on a tellement à apporter chacune que en fait on le fait à la va vite, on n'a plus le temps et j'aime beaucoup ton idée du cadeau. On choisit peut-être d'en faire qu'un, mais le faire bien et vraiment se donner les moyens de comprendre ce que la personne aime, veut et pour faire Voilà. un chouette cadeau. Parce que du coup, c'est Oui, plutôt que dommage, moi, d'acheter je plein de suis en phase petits avec mes cadeaux, valeurs. tout à fait. Sinon, tu achètes plein de petits cadeaux à tout le monde, mais des fois, tu sais, les cadeaux de Noël, des fois, tu dis, oh, c'est quoi ça? Hop, tu le ranges. Donc là, quitte à avoir un cadeau, bah, tu as un cadeau, tu reçois un cadeau, puis c'est tout, mais bon, au moins, c'est un beau cadeau, puis c'est tout, quoi. Puis après, le reste de l'année, tu te fais tes cadeaux parce qu'il ne faut pas attendre Noël pour se faire des cadeaux quand même, tu vois. Et c'est ça, Surtout si tu as un tout en petit peu faire les moyens, mais plaisir. même avec peu de moyens, tu peux des fois t'offrir des petites choses, tu vois, des petits plaisirs de la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir des gros trucs de luxe. Donc, il y a moyen de se faire des cadeaux tout au long de l'année, voilà, qui est l'orientation du plaisir au final. Encore faut-il savoir prendre soin de soi et de ne pas s'oublier, tu vois. Voilà. On revient toujours au même learning à la fin, Ouais. prendre soin de soi, ne pas s'oublier, Bah être oui. aligné avec ses besoins, c'est Bah bien. Bon, bah voilà. oui. Ok. Ouais. Génial. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à partager vos expériences après les fêtes de Noël et nous dire à quoi vous avez été confronté, ce qui a pu vous aider ou ce qui vous aiderait pour la suite. Ce sera intéressant de voir ça. En tout cas, merci beaucoup Véronique et puis très belle fête à tous. Oui, belle fête à tous, hein. À bientôt. À bientôt.